Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une vidéo sur Farming Simulator 17 sur la map Anner du Berry. Allez, c'est parti! Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la map Anner du Berry. Donc ça sera sûrement le dernier épisode dessus. Je sais que j'en ai fait que 3, mais bon. J'ai trouvé une autre map qui est beaucoup plus sympa que ça. Mais bon, allez, sans plus tarder, on va y aller. Donc aujourd'hui au programme, on va aller donc du coup j'ai semé tous les champs de la map. Voilà, là c'est pas encore poussé. Et quelques champs ils sont poussés, donc voilà. J'ai joué un peu en solo. Donc on va les traiter aujourd'hui. On va les pulvériser, je sais pas comment vous dites. Et puis bah c'est parti. Bah du coup c'est le pulvérisateur de base. Donc voilà. Puis le néoland à fourche. Le yash. Enfin voilà, on va pas l'utiliser mais bon c'est pas très grave. Hop, on va monter dedans. On va le démarrer. Voilà. On va lever la fourche. Donc là je joue toujours avec mon volant. Donc je me suis un peu lassé de farming en ce moment, c'est pour ça que j'ai pas tourné beaucoup de vidéos ces derniers temps. Hop, donc on va repartir. Donc là ça va repartir, j'ai trouvé vraiment une superbe map, je trouve, elle est juste magnifique. Donc du coup ce champ là a été traité, donc on va aller dans un autre champ. Donc oui ça sera le dernier, je suis vraiment désolé, mais... on va aller sur une autre map. On va aller dans celui-ci. Hop, ça bug un peu, un petit coup de lag. Voilà, on va changer d'outil. Pulvée de base, je pour rien, il n'y en a pas beaucoup de en mode des pulvées comme ça. Hop, voilà. Donc du coup, j'ai eu le DLC canne à sucre. Quand j'ai vu tous les youtubeurs qui ont fait des vidéos dessus, ça m'a pas donné envie de faire une vidéo dessus. Mais alors pas du tout. Hein. Quand vous voyez le jour où elle est sortie, le CD, vous voyez l'actualité de farming. Ah bah là il y a des vidéos dessus. Du coup je préférais pas faire de vidéo dessus parce que ça servirait à rien. Donc je l'ai, mais si vous voulez que je fasse pour 2-3 vidéos dessus, comme ça je pourrais en faire une ou deux, trois ou quatre, comme vous voulez, vous me dites en commentaire de toute façon, puis je le ferai. On va juste reculer, hop, voilà, donc on va partir. Oui, donc je disais, oui, donc si vous voulez que je fasse des vidéos sur le DLC canne à sucre, vous me dites ça en commentaire et puis je vous répondrai. Mais si on m'en demande, je pense que je vais en faire une ou deux histoire de vous montrer. Mais bon, je pense que vous savez un peu tout. Hein. Hop, on va tourner. J'ai un peu zoomé là. On va reculer. Voilà. Donc le DLC paille, je l'ai pas encore acheté. Je sais pas si je vais le jeter. Hop, on va tourner. Et le DLC Canasus, franchement, il est pas exceptionnel. Hein, pour. Enfin, moi je trouve pas exceptionnel. Ah, vous avez bien dû le voir dans des vidéos. Pour son prix, je pense que ouais, il n'était pas exceptionnel. Bon, je vais traiter les bernes, moi. Cet arbre-là est physique. Et ben, c'est bon. On se remet une petite vue comme ça. Donc oui, il n'est pas exceptionnel. Donc je pense que le DLC paille est mieux. Je vais peut-être l'acheter plus tard. YouTubeurs, ils ont fait une vidéo dessus. Par 2-3, mais... ça reste convenable.
juste résumer un peu. Voilà. Donc, on est parti, on les traite, ça. Deuxième champ. Hop, oula. On va retourner. Voilà. Je voulais vous dire aussi un grand, grand merci à vous. Je suis quand est-ce que j'ai été regardé? J'étais à 172 abonnés. C'est vraiment un truc de malade. Je vous remercie énormément. C'est vraiment un truc de ouf. Je suis monté en peu de temps. Alors j'ai fait peu de vidéos. J'en ai pas fait beaucoup. J'en ai pas fait énormément. Mais c'est vraiment un truc de malade. Et j'ai vu que le premier épisode sur Nerdberry vous a énormément plu. J'ai atteint les 1700 vues. C'est vraiment un truc de ouf. Et j'ai vu aussi que la vidéo sur Bêtement en multi, elle a pas trop bien marché. Mais on va continuer cette série là quand même. On va en tourner. Vous allez bien voir, ça va arriver vite. C'est juste que là, j'ai plus trop joué à farming en ce moment. Ça m'a un peu lassé. Hop, on va tourner. Voilà. Et là, quand j'ai vu une belle map sortir, je vais pas vous spoiler un peu trop parce que. Et plein de mods là, ils sont sortis. J'ai dit vraiment que je fasse des vidéos. Hop, hop, hop. Heureusement qu'il y a les mods hein, quand même. Parce que sinon. Sinon le jeu ne serait pas là. Hop, on va finir ça. Voilà, donc c'est vite fait hein, traité. Juste une petite vidéo explicative. Hop. On va replier. Voilà. Donc j'ai vu que le simulateur Berrichon faisait une V2. Je me disais que on allait jouer jusqu'à la V2 dessus, mais enfin elle est pas, enfin elle me convient pas trop en fait. Elle m'a pas, enfin voilà quoi. J'ai pas trop envie de jouer dessus. Les premières fois ça allait, mais là à force, l'entrée de ce champ là il est où? Elle est là-bas. Voilà, voilà. Et puis du coup, attends, je vais traiter, je suis en juste, je suis à combien? Ok. Du coup, je vais peut-être faire une vidéo sur le truc. Avec le DLC Italie. Je sais pas si je vais le faire en solo sur le DLC Italie. Si je le fais en multi, je vais pas le faire sur le DLC. Parce que le DLC Italie sort le 15 décembre, je crois, sur un truc comme ça. Donc je vais l'acheter. Donc je pense que je vais faire une vidéo là dans ce mois-ci sur truc. Je sais pas quoi. Je préférerais en multi. C'est un peu mieux, c'est mieux. Mais si, parce que mon pote il va pas acheter le DLC Italie ce mois-ci. M'étonnerait. Donc peut-être que j'en ferai deux en multi après, avant le 15 décembre, j'en ferai une peut-être. Mais bon, ça va être un peu chaud, parce que je voudrais commencer ma série sur la nouvelle map avant. Ah ouais, ça va être un peu chaud. Normalement, ça doit le faire. Je t'éteins le petit gyrophare. Hop, on est parti. On va baisser un peu. On va jouer réaliste un peu. Ouh là là. Mais ce qui est sur les pulvés, ce qui est un peu... chiant si on peut dire, c'est qu'on peut pas balancer les rampes, enfin de pivoter de chaque côté, parce que des fois le champ, bah les champs sont pas tout le temps plats et faut ça frotte d'un côté et pas de l'autre, c'est haut. On va juste traiter ce champ là et puis je pense qu'on s'arrêtera pour ce petit épisode là. Je voudrais vraiment tourner la. Alors où je tourne, on est vendredi. Je voudrais tourner la série avec mon pote juste après. Et après préparer l'autre partie. Enfin vous allez voir. L'autre partie, la nouvelle carrière, je pense qu'elle va être. Vous allez aimer.
Je pense que... Désolé, mais... Hop, par contre, on va pas passer à travers le poteau. Et je crois qu'il est physique, ce poteau-là. Eh ben oui. Ah, non. Ah, c'est chiant quand il y a des poteaux comme ça. On va passer à côté, c'est pas très grave. Ça mène large, mais bon, ça passe. Ça doit passer. Vous voyez, regarde, ça touche à la terre, et là, c'est pas hyper haut, mais il faudrait qu'on poviote. Bon, ça va pas passer. Évidemment. Hop, on va retourner là. Ah, ça passe pas, mais décidément. C'est un truc de malade. Voilà, on va tourner là. Oui. Voilà. Non? Eh ben, on va pas y arriver, les amis. Ah là 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 là. Quelle idée de prendre un PUV aussi grand aussi. Voilà. On va y arriver. On va pas faire le petit coin, sinon ça va être. Bon, allez, on va déborder dans le champ. On va juste lever, ça passe. Voilà. Sinon, on n'a pas fini. Ah, puis là, il y a encore un poteau. Mais non. Ah, ça va pas le faire. On va replier, au pire, on va pas s'embêter. Juste passer ça là. Non, ok, on va juste faire là avant. Oh là là là. Je crois que c'est la première et dernière fois que je vais traiter en vidéo. C'est juste hyper difficile. À la fois, je peux pas faire de vue intérieure. Là, il y a le poteau. Et là, ça passe. Donc là, du coup, on va replier. Voilà. Ça va le faire, les amis. On y croit. Voilà. On est parti. Là, on a enfin réussi. Hop, on va tourner là. Voilà. Donc cette vidéo, je pense qu'elle va sortir dimanche. Si je dis pas de conneries, oui, je pense ça. Si j'ai le temps. Bon, c'est l'hiver. On a le temps l'hiver. Hop. On va faire le petit bout là. Voilà. On va replier. On va aller à la ferme, puis on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Vraiment petite. C'est pas comme la vidéo en multi que j'ai fait ce bêtement. Elle a duré 40 minutes, mais je pense que c'est ça. Ça n'a pas accroché les abonnés, mais bon, ça ne fait rien. C'est replié. On peut mettre les gyrophares qui sont là. Voilà. Puis bon, on est parti. Allez, hop. On va rentrer et puis s'arrêter là. On va tourner. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo de bêtement en multi, allez la voir, vraiment, elle vaut le coup. Bon, j'ai eu 2-3 petits bugs en montage, mais bon, sur 43 minutes, ça se voit pas trop. J'ai fait une cinématique, je sais pas si vous avez vu, mais je l'ai fait dans la nuit, donc on voit pas trop, mais bon. Oula, petit coup de lag. Ouais, j'ai fait une cinématique et enfin, je suis assez déçu parce qu'elle a pas trop marché. On va le mettre tout. On va le ranger. Hop. Sauf que là, si ça passe. Oula, on va pas buter dans les bottes de fond. Voilà. On va les un. Hop. On n'a pas été dans le tracteur. Donc bah voilà les amis. On va s'arrêter là. Ouais, bon, c'est bon. Je me suis amusé à faire une petite barge de paille là, voilà. Comme ça. En solo. Je m'amuse bien. Et puis voilà. Voilà, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Eh bien, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, bah écoutez, les amis, on va se laisser là. Bah, attendez.
J'ai oublié le petit gyrophare, on va éviter de griller l'ampoule. Et hop, et pomper sur la batterie. Voilà. Donc bah écoutez les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Et puis moi je te dis à la prochaine pour des prochaines vidéos. Et ciao tout le monde. Allez, peace. At least I can see that I've tried.